Bonjour à tous. Et bah, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois en rivière. On est jeudi soir, on est parti pour 3 nuits consécutives. On décollera dimanche matin de bonne heure. Donc une nouvelle rivière que j'expérimente. Voilà, je suis venu amorcer déjà depuis lundi soir, donc ça fait 3 soirs d'amorçage. Un petit peu en quantité parce que les conditions météo semblent propices à ce que le poisson soit actif. Donc voilà, j'ai fait une petite percée là, à la cisaille là, dans les roseaux là, pour atteindre le bord de l'eau. Et puis je vais pouvoir placer 2 cannes ici et je vais placer 2 cannes juste à côté là. Dans le même principe, j'ai fait une percée pour être assez discret dans la végétation. Voilà, donc je vais pêcher 2 cannes en bordure et 2 cannes sur la berge en face. Et après je vais sonder, je prends le temps de sonder dans la soirée tranquillement pour voir s'il y a d'autres zones intéressantes à pêcher quoi. Voilà, donc je place mes cannes et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, ben voilà, du coup, c'est tendu, les 4 cannes sont installées. Je parle pas trop fort parce que du coup, j'ai placé vraiment 2 cannes, celles qui sont derrière moi là, vraiment en bordure. C'est-à-dire qu'il y a une canne qui est dans 1m20 d'eau, à 5 mètres du bord, au pied des nénuphars, et l'autre canne qui est 2-3 mètres après le nénuphar, et par contre, ça plonge directement, je pense qu'il y a 2 mètres 50, 3 mètres d'eau quasiment. Donc, demain matin, je vais vraiment sortir la canne à sonder, ce que je vous disais, et je vais essayer de trouver vraiment la cassure nette. Voir si les poissons passent vraiment au pied de la cassure. Voilà, donc là le calme s'installe hein, sur la rivière. On voit quand même quelques petites chasses de carinciers et puis quelques petits sauts de poissons blancs. Je pense pas que c'est de la carpe pour l'instant, je pense que c'est vraiment de la brème ou du gros gardon. Donc en tout cas il y a de l'activité. Donc on croise les doigts, on espère sincèrement toucher un poisson avant qu'il fasse noir. Et de toute façon on est là pour 3 jours et 3 nuits, donc on ne devra pas repartir bredouille. En tout cas j'espère pas. Allez, à tout à l'heure. Eh bien bonjour à tous, du coup on est samedi matin. Voilà, donc deuxième nuit qui s'est écoulée. La première nuit a vraiment été stérile, rien du tout. Et beaucoup de chasses de silures qui sont venues, je pense, perturber les coups. J'ai eu au moins 4-5 fois des queues de silures qui ont claqué, quoi. De journée comme de nuit, quoi. Donc voilà, la deuxième nuit est partie un peu de la même manière. Et j'arrive quand même à toucher un poisson cette nuit à 4h30. Et un poisson, pas des moindres, vraiment une belle commune à ce coup-ci là. Donc comme quoi ça paye d'attendre. J'ai toujours maintenu mon amorçage, c'est-à-dire que je ramorçais matin, midi et soir.
comme les bouillettes étaient légèrement attaquées à chaque fois, j'imagine que l'amorçage était un peu dégringué aussi. Donc j'ai vraiment tenu tous mes amorçages durant ces 2 jours pour l'instant. Donc un poisson, ça paye pas beaucoup, mais comme je vous dis, il valait le détour. Donc je vais le prendre en photo et je vous présente ça dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Voilà, comme promis, je vous présente le poisson touché cette nuit. Une super commune à ce coup-ci de 22,4 kg. Donc je suis vraiment très content. C'est le seul poisson que je touche de la session pour l'instant. C'est une session très très difficile avec tous les sealers qui claquent de partout. Donc voilà. D'ailleurs, je pense qu'elle a été attaquée dans la nuit par le sealer parce que j'ai entendu beaucoup de bruit et le sac à carpe a été abîmé et elle a comme une morsure de l'autre côté. Donc je vous la présente rapidement et je vais la remettre à l'eau parce qu'il fait chaud. Voilà, donc vraiment un poisson très très massif, très ventru, un poisson qui est très large comme vous pouvez voir. Voilà, donc un super combat. On va la remettre à l'eau. On fait une photo avant, on la remet à l'eau. Et on espère vraiment retoucher, même si c'est d'autres poissons plus petits, on sera content. Allez, à bientôt. Je tenais à vous présenter mon dernier investissement. Je viens d'acheter un panneau solaire, super pratique pour les sessions assez longues, qui permet de recharger mon booster. Et de mon booster, je peux recharger mes caméras, mon téléphone et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc ça se présente sous la forme d'une petite valise comme ça là. J'ai acheté ça à 120 euros sur AliExpress et c'est complet. Dedans, on a tout le branchement électrique. Hop, donc je vous montre, très facile à installer. On descratch, voilà, on retrouve le panneau solaire comme ça. On peut l'installer comme ça directement sur un véhicule ou sur autre chose, sur n'importe quel support ou même dans un arbre. Et après, hop, on peut brancher directement le booster. Et voilà, ça charge. Ça charge, c'est parti. Il faut quasiment 2 heures pour recharger le booster avec ça. Et voilà, vraiment très très pratique et très facile d'utilisation. Voilà, donc écoutez, une bonne petite astuce et puis je vous montrerai autre chose la prochaine fois. Je retouche un deuxième poisson à ce coup-ci de journée, il est 11h, pareil, un magnifique départ sur le même poste, toujours au pied d'une phare sur la berge en face, et j'étais parti pêcher au feeder, j'étais à peu près à 20 ou 30 mètres de mes quintes quand ça a sonné, donc un petit peu sport quoi. Le poisson, pareil, il se dirige directement dans la nuit phare sur ma berge, donc obligé d'aller dans l'eau pour épuiser, enfin on verra tout ça sur la vidéo. Je vous la présente. Donc 17 kg, tout en commune, une fois de plus. Oups, voilà. Donc vraiment des beaux poissons, vraiment bien profilés pour le combat. Voilà, donc une petite photo, on la remet à l'eau et on espère vraiment que ça va continuer. On s'aperçoit que les pressions atmosphériques ont commencé à baisser, donc c'est de bon augure. Allez, je vous dis à plus tard.
Bon voilà, du coup bah, je voulais vous parler un petit peu des bouillettes avec lesquelles je pêche sur cette session. Donc c'est les derniers nés de la gamme DCF, les complexes fruits fish, cassis, vert de vase. Donc une base de mix carnée avec un parfum fruité, donc en l'occurrence le cassis, et ce qui donne une couleur aussi très sombre à la bouillette, hein, je vous les présente. Hop. Voilà, donc des billes où on retrouve encore dans le mix bah, les coquilles d'œufs, ce qui donne un effet crunchy qui est un peu sympathique. Hein. Voilà. Et donc toujours avec ça, et bah, les pop-up assortis et le booster. Donc on peut rebooster aussi les pop-up ou les billes denses. Hein. Et voilà. Donc des flottantes blanches, une couleur très visuelle dans l'eau, qui peut faire la différence sur des poissons un petit peu curieux. Quoi. Voilà, donc et bah écoutez, c'est la troisième de la gamme qui suit les premières qui étaient sorties, c'est-à-dire les complexes fruits, maïs. Ensuite, on avait les complexes fish sur une base très carnée. Et voilà, donc là, la dernière de la gamme est sortie. Donc, si j'en ai qui sont intéressés, n'hésitez pas à laisser un petit mot sur la vidéo. On vous contactera et on fait des commandes tous les 3 mois à peu près et on distribue autour du 44. Voilà, bon bah tout ça c'était pour les bouillettes. Niveau activité, bah, on se rend compte qu'il y a du vent qui s'est levé, les pressions atmosphériques ont baissé. Donc est-ce que c'est ça qui a fait démarrer le poisson cette nuit et ce matin? On espère. Et on espère surtout que ça continue et qu'on puisse toucher un poisson au moins en plus ce soir ou cette nuit. Et tant qu'à faire, bah, si on pouvait toucher le miroir, ça me ferait plaisir. Voilà, donc et bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure s'il se passe quelque chose. Bon voilà, bah du coup, je viens juste d'avoir un très gros départ et j'ai pas réussi à arrêter la péniche, voilà. Donc une péniche qui est passée vraiment un peu trop près du bord et qui m'a pris une canne sur les deux, donc je m'en sors pas si mal que ça. Les gens ils m'ont même pas calculé, ils ont même pas vu qu'ils passaient trop près et puis qu'ils m'emmenaient une canne. Bon après j'ai pas gueulé parce que ça sert à rien, le tourisme de la pêche ou le tourisme du nautisme, bah, il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc bah, ça y est, la douche est prise, les cannes sont retendues, la zone est réamorcée. Donc on croise les doigts pour cette nuit, on espère toucher un ultime poisson pour clôturer cette session bah, qui était quand même un petit peu maigre quand même en poisson, mais avec comme des beaux poissons. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à plus tard. Bon bah voilà, du coup nous voilà arrivés au terme de la session. Une dernière nuit stérile, vraiment une session très très difficile, hein, avec les silures qui ont été présents vraiment tout le long de la session à chasser dans les nénuphars. Hein. Donc je pense que c'est sincèrement ce qu'a fait fuir le poisson, quoi, surtout les petits poissons. On se sort quand même avec deux poissons, pas des moindres, hein, deux belles communes. Donc bah écoutez, ça fait toujours plaisir, on n'est pas bredouille, quoi. Voilà, donc bah, une fois de plus, je vous dis merci à tous de me suivre, et puis je vous dis à très bientôt au bord de l'eau. Allez, salut.